Mon frère. Bonjour à tout le peuple camerounais. Bonjour Billy. Bonjour chef Fan. Avant de commencer, regardez un peu ceci. Non, la mère, ne t'inquiète pas. Il y a désormais une solution pour tout ça. C'est quoi? Pour tous ceux qui ont les problèmes d'obésité ou de surpoids là. Ah. Donc, comme vous voyez en image là, je viens de faire la connaissance d'une dame du côté de l'Allemagne qui s'appelle Relooky Body. Elle est capable de te faire perdre 50 kg en moins d'un mois sans faire aucun régime, sans prendre aucun médicament, ni thé. Sans faire sport. C'est la magie. Vous imaginez cela? Jamais. Du jamais vu. Faites un peu un tour sur sa page Facebook, Relooky Body, pour avoir plus d'informations et plus de confirmations. Ou encore, appelez tout simplement le contact qui s'affiche en bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Vous pouvez constater là une preuve en vidéo. Avant et après. Chaque jour, quand Darkon se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour à tout le peuple camerounais. Je sais que ça va surprendre beaucoup de personnes. Ah bon? Et pourquoi? Je demande pardon à monsieur dont j'avais giflé à Lyon. Quoi? Billy demande les excuses au monsieur qu'il avait giflé à Lyon. Il demande également les excuses à tous ceux qu'il a offensés. Écoutez très bien. Je demande pardon en tant que petit frère. J'aimerais que tu me pardonnes d'avoir levé la main sur toi. Billy, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui tu es réellement. C'est vrai. Donc avant de présenter tes excuses, permets-moi d'abord de présenter qui tu es réellement. Ouais, ça c'est très bien. Regardez ceci. Voilà, voici donc l'épisode 1 café de Billy, l'international gifleur. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. L'épisode 2 chez le professeur Maurice Kamto. Tiens, oublié que j'ai les enfants en France. Ah bon, hein? Épisode 3. Décom à mon goût. Avant que je ne commence, je vais d'abord te décrire. Tu comprends? Je vais te donner ton identité. Tu comprends? Ton D là. C'est dégueulasse. Chégué. Décom. Décomé. Donc, dans ta tête là, ça ne va vraiment pas. Tu vas lire, mon ami. Regarde un peu. Quand tu me regardes bien là, tu peux t'asseoir, je peux m'asseoir de comme. Tu peux parler où? Tu es malade, tu as fumé le chanvre. Tu prends les hommes, tu prends les femmes. Et apparemment, il paraît que tu. Eh oui! Passons à l'épisode 4. Tu peux te lever et me parler fort, toi, Marie-Paul. Une petite voleuse comme ça en Italie. Je vais vous montrer quelque chose. Si quelqu'un pense que à cause de ma décision que j'ai prise ou je quitte ce combat en voulant dire que tu peux se faire croire que non, il va m'attaquer dans la rue n'importe comment et que je vais le laisser pour attendre la police. De plainte. J'ai un dossier chez le procureur de la République. Donc celui qui va m'attaquer, qu'il sache qu'il va trouver que j'aurai ça sur moi. C'est quoi? On ne savait pas ce qu'il avait dans le sac. Et j'aurais ça sur moi. Hey, les gars, maman. Mère de combi. Madonna mia. Il va me trouver avec ça. Et avec ça sur moi. C'était bon. Et je vais agir par légitime défense. Épisode 5. Nous comprenons. Guillaume Chapuis, votre petite bande de petits sorciers, hein, vous te montrer comment on réagit chez nous. Vous comprenez dans la compréhension. Amen. Il va te montrer que je peux te massacrer, je peux te détruire. Amen. Je ne vais pas respecter le corps de ta mère. C'est ta bouche. Attendez, je bois ma première verre. Oh, Billy, toi-même, tu as fait fouet. Professeur, vous voyez vos enfants? Godness! C'est quoi? Je ne peux même pas expliquer, mais c'est chaud. Si, mais on est où? On appelle vraiment ça quoi, prof? C'est de la sauvagerie. Non, c'est des soignants, je suis déçu. Passons à l'épisode 6. Mais toi, non, tu vas back dans une petite boîte comme ça là. Ce sont des cendres. Donc venez demain,
Je vais répéter ça devant vous. Vous avez vu ce que j'ai fait à Lyon, non? Hein? Nous sommes là, on arrive. On est là. Les mêmes. Et on recommence. On arrive. Comprenez, non? On arrive. Ce n'est même pas possible. C'est impossible. C'est de la gâchis, ce que tu es en train de faire au Camerounais. Voilà. C'était le passé et Billy demande les excuses. Ok. Avant de vous présenter les excuses de Billy, permettez-moi de vous présenter cette affiche qui vous donne l'opportunité de vous former désormais en création, gestion de la page Facebook. Donc, contactez le numéro qui est là-dessus. C'est le numéro de mon patron, Patrick Kenyegamia, qui vous forme en ligne. Ce 20 janvier, ne ratez pas l'occasion. C'est très moins cher. Contactez rapidement le numéro que vous voyez sur cette affiche ou bien en bas de cet écran. Voilà, je voulais aussi vous annoncer que la formation en montage et vidéo, pour ceux qui vont faire les montages comme moi, je vous avais dit, c'est moi qui fais les montages de mes vidéos. Donc, ceux qui veulent apprendre à monter les vidéos comme moi, contactez-moi rapidement via ce numéro qui s'affiche en bas de cet écran. Si tu décides d'amener ça sur la toile, amène ça jusqu'à la gare. Billy, les Camerounais t'écoutent. Ça va surprendre tout ce que ça va surprendre, mais moi je demande pardon devant Dieu et les hommes. Tu es sûr? Vas-y, grand Billy. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de vivre ma vie en paix maintenant. Voilà! Ouais, ça c'est très bien. Où que tu te trouves, où que tu sois, je te demande pardon. Monsieur Guylaine Chapuis, je viens auprès de toi ce matin en tant que petit frère. Ah bon? Et pourquoi? Je te demandais pardon. Waouh! La main, tu acceptes ces excuses? Billy, tu me fais avoir les larmes. Tu vois, tu me fais avoir les larmes. Pourquoi? Parce que j'aime pas la souffrance. Oh, pays! Je suis père! Il faut me laisser. Ton numéro sur inbox et moi je vais t'appeler, tu vas venir à la maison. Mon type, continue. Mais quand même, je viens vraiment auprès de toi en tant que petit frère te demander pardon d'avoir insulté ta mère. Vous comprenez? Écoutez très bien. Waouh, Amen. J'espère que tu as compris ce que Billy vient de dire là. Coucou. Dis pour lit. Mon frère, continue, on t'écoute. Je te demande vraiment pardon. Je ne viens pas pour que tu me donnes de l'argent ou bien tu m'aides dans un autre cas. J'ai juste besoin que tu me pardonnes. Vous comprenez? Et tu dis quoi à Dekom Amougou? Grand frère Dekom Amougou, je viens te demander pardon aussi ce matin. Pour t'avoir insulté, pour t'avoir calomnié. J'ai vécu avec toi pendant presque un mois à Lyon. Au fond de moi, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Et au fond de toi, tu sais que je ne suis pas une mauvaise personne. Mais je viens te demander pardon en tant que petit frère de t'avoir insulté un jour. Billy, qu'est-ce qui t'avait vraiment amené à faire tous ces dégâts-là? Parce que les réseaux sociaux m'ont emporté. Ça m'a rendu quelqu'un d'autre. Je suis devenu une autre personne. Ah, vraiment le Cameroun. Je demande vraiment pardon. Ok, j'espère que vous avez bien compris. La situation de Billy doit servir de leçon à toutes ces personnes qui passent leur temps sur Facebook et sur les réseaux sociaux à prôner le tribalisme, la division, la haine. Vous comprenez dans la compréhension? Faites très attention, le karma existe. C'est vrai. Pardon que je te demande est vraiment sincère. Ça vient droit de mon cœur. Voilà, Billy a pris son courage, il reconnaît son tort et il demande les excuses. Chers Camerounais, chers publics, pardonnons Billy. J'ai fait certaines erreurs dans le passé dont je regrette beaucoup. Au fond de moi, je ne suis pas cette personne. Le père, s'il te plaît, ouvre-nous une bouteille de champagne en honneur de Billy pour ce courage que ce monsieur a eu. Billy, il y a des personnes qui m'ont contacté pour te donner le boulot. Je ne sais pas si tu as trouvé le boulot. Au cas où tu n'as pas trouvé, c'est l'un de tes proches. Mettez le numéro de Billy en commentaire parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui m'ont contacté pour trouver un boulot à Billy. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.